Attention, pour cette semaine, pour toi qui vois cette vidéo, ce qu'on te dit, c'est on est en train de te prévenir au travers de cette guidance que tu vas vivre en tout cas beaucoup de situations qui vont en tout cas disperser tes énergies. Aujourd'hui, on sent en fait que tu veux faire beaucoup de choses. Alors, tu dois gérer le foyer, tu dois gérer le travail, tu dois gérer les enfants, tu dois gérer toutes les choses de la vie courante. Et en fait, on sent que tu es à fond. Mais aujourd'hui, en tout cas, au travers de ce message qu'on te dit, c'est fais attention à cette semaine parce que tu es en pleine dispersion d'énergie. Tu t'épuises émotionnellement, tu t'épuises physiquement aujourd'hui dans ce que tu mets en place. Alors, en plus de ça, notamment, on appuie particulièrement sur notamment une blessure qui va être mise en lumière cette semaine. Alors, pour toi qui vois cette vidéo, là, dans la semaine qui arrive, on te dit attention, tu risques de vivre une situation qui va te mettre en difficulté et surtout qui va faire apparaître en tout cas la blessure de trahison. Ce qu'on te dit déjà par rapport à cette dispersion d'énergie, il convient, alors on parle de, ouais, tu vois, de méditation, mais surtout il convient de prendre des moments pour soi simplement où tu peux aussi t'écouter, te faire plaisir. On parle de méditation, effectivement, c'est un très bon moyen de se recentrer, mais tu peux aussi simplement être dans l'instant présent en allant te promener un petit peu en extérieur, prendre un bon bol d'air en montagne, à la plage, peu importe en fait ce à quoi tu te mets dans l'instant présent. Surtout, pratique voilà des activités qui te mettent en joie et qui te permettent simplement d'écouter ce que toi tu ressens. Et ce qu'on te dit notamment, c'est de faire attention à ton équilibre, notamment à ton sommeil, qui est profondément perturbé à l'heure actuelle et qui t'empêche justement de pouvoir soulager cette fatigue physique. Si tu as des problèmes de sommeil, je t'invite à nous contacter. Si tu veux aller sur un soin énergétique, il n'y a pas de souci. Ou je peux d'ailleurs travailler en magnétisme sur ton sommeil. N'hésite pas à me contacter. Je vous communiquerai à ce moment-là les tarifs pour notamment ce soin magnétisme qui dure environ une vingtaine de minutes. Parce que voilà, on te dit aujourd'hui, on attend de toi des changements concrets dans ta vie, voire, et on te conseille également d'utiliser des cristaux qui favorisent le sommeil. Alors, je ne suis pas spécialiste de la lithothérapie, il y a des pierres notamment. Alors, pour ceux qui s'y connaissent et qui regardent nos vidéos, si vous voulez apporter votre commentaire et conseiller pour des pierres qui permettent notamment de soulager le sommeil, n'hésitez pas à l'indiquer. C'est une notion de partage, en tout cas pour tous ceux qui seront dans cette configuration-là. Et en fait, on voit très rapidement derrière, tu retrouves un équilibre énergétique. Mets en place ces petits conseils, usage de pierre, peut-être soin magnétique, soin énergétique. Parce que, voilà, aujourd'hui, les raisons de ton mal-être sont surtout à ton surépuisement émotionnel et physique. Donc, il est important que tu prennes le temps, en tout cas cette semaine, de t'écouter.